nous allons quand même aborder si un point qui est important sur l'utilisation des psaumes dans nos prières. Monsieur Alain Dele, vous savez que le psaume de David, les 150 psaumes de David, premièrement, n'a rien à voir avec la Kabbale juive. Mais néanmoins, le pasteur, le prophète, les docteurs qui sont dans la Kabbale juive, ils ont entraîné l'Église à l'utilisation de la prière liturgique qui est liée au 72 génie de la Kabbale. Maman, je suis un malam, mon frère, ma soeur, je suis un malam. Enseignement, on appelle l'astrologie kabbalistique. Parce que lorsque le pasteur te dit, répétez psaume 7 fois na tongo, au matin, à midi, au soir, 10 fois, 15 fois, psaume 15, psaume 7, psaume 8, psaume 9, en réalité, il te met en relation avec le génie. Cette pratique-là qui consiste à répéter le psaume pour ta guérison, pour ton mariage, pour ta protection, pour ta sécurité, pour l'ouverture, c'est une pratique satanique démoniaque. Mais le problème, c'est au niveau des heures, des mois, des jours fixés, quand vous répétez ça, vous entrez dans ce qu'on appelle l'astrologie kabbalistique ou la numérologie. On vous dit Alain. Mais ce n'est pas interdit. Quand je prie, je dis exemple, éternel est mon berger. Ça, c'est un élément dans le combat spirituel. Mais cela n'est pas dit à une heure fixe. Et puis, quand la pratique devient continuelle, à chaque fois, à minuit, il y a un à 20 indices, mais c'est Alain Dele. Il y a une maman, prophète Morobo Tia Tia. Là, est-ce qu'on est avec beaucoup d'argent comme ça? Alors, relation à Bino Zanengini, parce que j'ai l'impression, depuis que les gens c'est comme si on dirait, on remis enfant abandonné. Exactement. Moi, au Congo, d'abord, j'avais aussi les gens que je prenais comme modèle. Oui. Exemple, Albert Kakenza, l'évêque général, je le considérais beaucoup plus. Les révérends Sonny Kafuta, Jamina Kibila. Là, ces trois personnages-là, j'admirais beaucoup plus leur ministère. Là, c'était avant. Avant. Mais actuellement, par rapport à mon expérience dans les histoires de la Kabbale juive, et ce que je suis en train de dénoncer ici, les histoires des Talits, des Kippa, et beaucoup de vieux, ma vie dans Bissouana, Mingi, s'est retrouvé dans la Katsama histoire. Mais normalement, le message que j'ai qu'on dénoncer de la Kabbale, ça dérange tellement les assemblées belées, battues belées. Donc d'où je préfère beaucoup plus être seul avec le Saint-Esprit. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40 Toronto City. Waouh, les quatre qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive le Kinshasa. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue
à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Et comme vous le savez, nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue à vous. Permettez à ce que nous puissions aborder le tout premier point, c'est la Fondation Ndélé, au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible aux cris de détresse, vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et Dieu va tous nous bénir. À bientôt, cela rentre. Alors soyons sensibles. Suivons. Shalom Bananzambe, shalom enfant de Dieu, opération Tangisa Mwana Moko. Aujourd'hui, c'est déjà septembre, nous sommes le 1er septembre. Tout parent responsable se tape déjà la tête. Nengeni nyantinda banana na kelasi. Yeba ke yo za parents za vivant, ozo kanisa banana yo, mais ape na bana misusu baza na posa okende kelasi, mais ba parents baza lisusu te. Tangisa orphelin moko, nzambe akozangisa te ko pambola yo. On le fait ensemble en association avec la fondation Alain Ndélé au cœur de la nation. Donc to simbana to sungana zoata deux ou trois enfants oyobotite salango na kombo ya Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le père des orphelins aozanga te kokanisela yo. Que Dieu te bénisse, ko néglige liloba oyote tsango na misala sunga orphelin moko zamba pambola biso. Nous faisons la suite et nous recevons pour vous un homme de Dieu qui n'est plus à présenter. C'est un prophète de ministère. Je crois que parmi les précurseurs, parce que généralement dans le Congo, ce soit le précurseur, moi, je suis un homme de Dieu, je suis un précurseur. Alors, il faut quand même accepter hein, les efforts des autres. Et ce que l'on a dit, c'est qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ce qui continue, c'est qu'il y a des gens qui ont été en train de se faire. Le plus important, c'est que qui ne bisoyons son objectif kaka mon koto atteindre peyango pour la gloire de Dieu. Donc c'est le prophète Placide Massé Bolamou qui est avec nous sur ce plateau. Alors je crois après la Côte d'Ivoire, vous avez suivi le tout premier numéro, vous avez suivi le deuxième numéro et enfin le troisième numéro. Donc il faut aller peut-être des 15, 16 ou 17. Ce sont les numéros enregistrés. Vous avez suivi seulement ce numéro, rentrez encore avec le même titre. Vous verrez différents numéros qui vont apparaître et ça vous permettra de comprendre. Parce que sinon, si vous nous suivez seulement à partir du 15e ou 16e numéro, vous serez peut-être perturbé. Et vous ne saurez pas de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Et vous aurez l'idée comme si on est en train de faire le méli, mais le mélange, on mélange tout. Or, on a fait cela avec, tout en suivant l'ordre et c'est une bonne chose. Prophète, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Alain Ndélé. Et je salue tout le monde. La santé, ça va? Non, Nangolo Ankolo, Azobate Labiso, Kimi Ezali. Est-ce que la relation avec ma collègue, nos pasteurs, ma prophète, et na ma papa, non, parce qu'il y a des gens quand même, ma père, non, la carte, qu'on dit, ma baya, au Kouta Bango, dans mon salle, Oyo, peut-être, PM Soussou, mon commis, Bali, Bazala, rappel, ma modèle. Mais ça, il y a un jour, Alors, relation na bino za ngini parce que j'ai l'impression depuis ozuli kana mangam oyo c'est comme si on dirait okomi enfant abandonné. Exactement, moi au Congo d'abord, j'avais aussi les gens que je prenais comme modèle, exemple Albert Kakenza, l'évêque général, je le considérais beaucoup plus les révérends Sonny Kafuta, Kizamina Kibila. Là, ces trois personnages là j'admirais beaucoup plus leur ministère. Là, c'était avant. Avant. Ok. Donc, j'aimais Sonny Kafuta, Albert Kakenza et Kizamina Kibila. C'était des gens que je considérais énormément. Mais actuellement, par rapport à mon expérience dans les histoires de la Kabbale juive, et ce que je suis en train de dénoncer sur les histoires des Talit, des Kippa, et beaucoup de vieux, ma vie n'a pas de bisouana, n'a pas de mais beaucoup de vieux, Mingi va se retrouver dans la carte ma histoire wana. Donc d'où je suis même pas dans l'église des réveils, mais je collabore justement avec une autre communauté qu'on appelle Four Square. De temps en temps, je suis invité là-bas pour organiser des conférences. Donc pasteur apôtre Constant
Aza peut aussi l'un des pères dans notre pays, dans Misso, Tozali. Mais normalement, le message Tozali qu'on dénonçait de la Kabbale, ça dérange tellement les assemblées Bélé, Bate Bélé. Donc, d'où je préfère beaucoup plus être seul avec le Saint-Esprit pour mieux avancer dans les choses de Yahweh. D'accord. Alors, je crois qu'on va vous suivre avec beaucoup d'attention. Ouais. Vous êtes suivi partout à travers le monde. Ouais. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les enfants de Dieu, surtout avec l'utilisation des psaumes et autres que vous avez prévu? Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons quand même aborder un point qui est important sur l'utilisation des psaumes dans nos prières. Et je dis que la Kabbale juive, c'est juste une mauvaise doctrine, une doctrine erronée, une doctrine qui consiste, n'est-ce pas, à altérer l'évangile, les messages authentiques. Monsieur Alain Dele, vous savez que le psaume de David, les 150 psaumes de David, premièrement, n'a rien à voir avec la Kabbale juive. Parce que avant l'existence de la tradition juive qu'on appelle la Kabbale, le psaume existait bel et bien. Parce que dans le psaume, il y a le psaume messianique, le psaume qui parle, n'est-ce pas, de la souffrance de Machiav, qui parle, n'est-ce pas, de l'arrivée de Machiav, de sa résurrection. Il y a vraiment des psaumes, amen, qui annoncent, il y a plus de 25 psaumes qu'on appelle messianiques. Voyez, donc le psaume n'a rien à voir avec la Kabbale. Le psaume, ils ont une expérience. Il y a David, il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ont parlé dans le livre des psaumes. Mais néanmoins, le pasteur, le prophète, les docteurs qui sont dans la Kabbale juive, ils ont entraîné l'Église na katia utilisation na ba prière liturgique qui est liée au 72 jours de la Kabbale. Na lobaki boye ba ndeko na ngai. Dans la Kabbale juive, qui est la tradition ésotérique, la mangie juive, Bokoko Bayuda, les rabbins, ils ont mis en place, je vais lire quelques extraits à l'ouvrage Nanga Awa, Batye Talmud, Batye Mishnah, Batye Midrashim, Batye Zohar, Batye Gematria. Naba livre où tout va établi Wana, leur objectif est d'interpréter la Torah. On appelle ça la paracha. C'est-à-dire le titre de la Torah. Mais leur paracha consiste au fait à altérer, à ajouter. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, lui-même, le créateur et créé, Yehoshua Mashiach, plusieurs fois a réprimandé les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Alors, il va vendre ici la chair de Moïse. Parce que les scribes, les pharisiens, les sadducéens, c'est-à-dire le col là-bas dépositaire, il y a un gardien, il y a une loi ancestrale. Ils avaient la connaissance au Bazouaki depuis la génération passée. Maintenant, dans la Kabbale, maman, mon frère, ma soeur, ils prennent maintenant le 150 psaume de David, associé en haut avec le 72 génie de la Kabbale. Pourquoi? Je vous ai dit plusieurs fois ici, au-delà des talits, des kippas, je libère les anges, je commande les anges, l'ange de la guérison, l'ange de finance, les kabbalistes se servent aussi de 150 psaumes de David dans le but d'entraîner les gens dans les cultes des démons, culte des anges. Exemple, dans mon ouvrage, j'ai essayé de démontrer comment j'ai un combo, il y a un ange, associé dans 150 psaumes de David. Le nom de 70 démons là, j'ai mis tous ces détails ici, même dans mon deuxième ouvrage qui est en cours, la pratique du spiritisme dans certaines églises locales, j'en ai aussi parlé. Alors, maintenant, juste ces démons-là, ces 72 génies, placer Bango dans 150 psaumes de David. Maintenant, Bazali Kotali Sabatou, pour ta guérison, pour ta restauration, pour masque de VS tombe, pour que tu sois protégé, que tu sois, je ne sais pas,
opportunité nayo ekende liboso, il faut savoir utiliser le 150 psaume de David. Et dans mon ouvrage ici, je vais lire quelques paragraphes. Enseignement on va ben rango l'astrologie kabbalistique. Parce que lorsque le pasteur te dit répétez psaume 7 fois na tongo au matin, à midi, au soir, 10 fois, 15 fois, psaume 15, psaume 7, psaume 8, psaume 9. En réalité, il te met en relation avec le génie. C'est là où est née même l'idée que les psaumes sont des prières. C'est faux. Oui, on peut considérer les psaumes comme des prières. David qui s'adressait à Dieu, mais toi tu n'es pas David. Toi tu es l'église du Seigneur. Alors, cette pratique-là qui consiste à répéter les psaumes pour ta guérison, pour ton mariage, pour ta protection, pour ta sécurité, pour l'ouverture, c'est une pratique satanique démoniaque. J'ai dit, pratique wana papa lendele, baso ben yango, l'astrologie. C'est quoi l'astrologie? L'astrologie repose sur l'interprétation de la carte du ciel par rapport à la naissance de l'individu. Je m'arrête par là. Vous allez voir que le pasteur, le prophète te dit, pesanga date de naissance nayo. Botama journine, yo peut pesanga date de naissance le 15 avril et tout et tout et tout. Abimi selio ange nayo. Alobi yo na signe ya zodiac na oza bélier. Maintenant, pour ton problème, pour ta maladie, il faut que vous répétiez ce psaume na tongo 10 fois. Na pesa ben 10 sona kala mitoza toza ko évoluer. On répétait en on a 15 heures 20 fois. Osa joueur, tu es homme d'affaires, tu veux vivre à la protection, tu es commerçant, répétez ça 15 fois. Et en même temps, il te dit, prends l'eau, prends du sel, prends l'huile et répétez ça. Mais quelqu'un peut dire, oui, mais nous, nous avons fait ça, nous avons vu des résultats. Exactement. Je vous ai dit que ce que l'ennemi ne peut pas imiter, c'est la résurrection des morts et les fruits de l'esprit. Là, c'est le domaine d'Elohim et lui-même. Mais tout ce qui est lié au signe de manifestation, c'est imitable. Alors, à partir de la date de naissance, à partir de la combo, il va calculer, il va écrire ton nom, il t'amène dans ce qu'on appelle les zodiacs. Abi osa bélier, osa capricorne, osa li, exemple, osa li tel, 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 ange, tel. Maintenant, lundi ressemble à la boye, na psaume 4. Mercredi ressemble à psaume 5. Si déjà vous avez assisté dans un culte, un pasteur, un prophète qui vous donne ses recommandations, chasse le bien, c'est un kabbaliste, quelqu'un qui pratique la kabbale juive. On appelle ça l'astrologie. Donc, à partir de ta date de naissance, il entre en contact, n'est-ce pas, des entités, entre guillemets, Oyo, Yayo, Ange, Oya, Botama, Ange, Oba, Tiana, Bomo, Inayo. Je l'ai dit ici, l'autre fois, quand j'avais touché sur les talites, je vous ai dit que dans les talites, il y a quatre signes. Il y a les signes de poisson. Les signes de poisson, ça fait partie à ma signe, il y a zodiac. Or, les septennés des mots-là opèrent aussi à travers le zodiac. Les zodiacs dont la Bible, les hommes et la Bible, c'est différent avec les zodiacs que les kabbalistes en parlent. D'où maintenant, quand le pasteur, le prophète, le docteur vous dit, répétez psaume 7 fois, répétez 15 fois, il vous amène dans ce qu'on appelle la numérologie. Donc l'astrologie, il vous amène dans la notion de ta date de naissance pour faire sortir quel est l'ange de ta destinée par rapport au mois, année, au jour où tu es venu au monde. Mais la numérologie qui vous amène ici, c'est pour activer maintenant les démons-là, les anges-là, quand vous répétez le psaume. Je ne suis pas en train de dire, c'est mauvais quand on prie, je peux répéter psaume, ce n'est pas un problème. Pas seulement psaume, je peux répéter exode, éternel, je peux dire, exemple, éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est biblique. Parce que dans le combat spirituel, il y a trois choses que Yahweh nous a donné. D'abord, son nom, Yehoshua, et deuxièmement, nous a donné sa parole. On voit que Yehoshua, dans Matthieu 4, il a dit au Satan, il est aussi écrit.
Je peux utiliser, n'est-ce pas, le verset biblique, même psaume, même exode, Habakkuk, Abidias, pour démontrer la force qui réside à travers la parole. Et enfin, nous avons les repas pascal. Donc, je ne suis pas en train de dire que les 150 psaumes de David est ésotérique. Donc, mais c'est l'un d'eux. Je ne dis pas ça. Mais je suis en train de dire, par contre, lorsque le pasteur vous demande la date de naissance, il vous demande votre nom. Et puis, il vous donne des psaumes de répéter ça à 15h, 18h, 19h. Vous entrez dans ce qu'on appelle la numérologie. Et je l'ai expliqué même ici. Science de certains astres, le soleil, la lune, appelés lumineurs, et les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, etc., etc. Là, il vous amène, je l'ai même expliqué ici, sur les signes zodiacaux. Alors, c'est par là, il y a les indices que je dois donner ici. Pour que vous puissiez être avertis, 18 indices que je dois donner ici, pour que l'église du Seigneur, les enfants d'Élohim, soient 20 indices, pardon, pour que l'église du Seigneur soit avertie. Nous aimons prier. La prière, c'est bien. Mais il faudrait faire la part des choses entre la dispensation de l'Ancien Testament ou la Première Alliance et la dispensation de la Nouvelle Alliance. Par exemple, dans l'Ancien Testament, avant de donner les indices, on pouvait demander le fait de consommer les gens. Dans l'Ancien Testament, Élie l'a fait. Ok? On peut, Yahweh lui-même l'a fait. On peut demander le fait de consommer les gens. Mais dans la Nouvelle Alliance, d'après Luc chapitre 9, je crois 52, 58, vous descendez là-bas, Yahushua a interdit à nous, ses disciples, de pouvoir invoquer le fait sur les gens. Voilà, non, madame. Donc, moto. Maman, mon frère, vous ne comprenez pas la dispensation. C'est comme il y a certains psaumes ici, de David, qui ne sont pas d'actualité par rapport à notre alliance. Exemple, David est en train de dire, Seigneur, frappe mes adversaires. Seigneur, frappe mes adversaires. Mais selon nous, dans la Nouvelle Alliance, on ne peut pas demander la vengeance. Si je prends, exemple, quelques passages ici, je vais lire ça rapidement. Dans un exemple, Romains, tout simplement, Romains chapitre 12, et puis on va voir Matthieu. Yahushua a interdit la pratique de se venger dans nos prières. L'ennemi est en train de faire son travail dans l'église actuellement. Il nous dit ceci. Alobi boye, bénissez ceux qui vous persécutent. Mais David peut dire que Seigneur, frappe mes adversaires. Frappe-les dans les psaumes. Mais nous, on ne peut pas frapper nos ennemis. On doit le bénir. David, dans les psaumes, vous allez voir qu'il faisait certaines prières où Dieu devait venger, frapper. Mais je continue le texte, Romains 12. La parole nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent, plairez avec ceux qui plairent. Ayant une même pensée les uns envers les autres, ne pensons pas à ce qui est élevé, mais vous laissant entraîner par les choses humbles. Ne soyez pas sages à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Mais dans le psaume, il y a des psaumes de vengeance. Aveugle, frappe et tout comme ça. Bon, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les humains. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix envers tous les humains. Mais dans la Nouvelle Alliance, tu ne peux pas prier, je frappe, je coupe, je frappe, et même mon oncle, même ma mère. Non! C'est ce que nous faisons en répétant des psaumes. J'arrive doucement, mes chers frères, pour vous faire voir qu'il y a beaucoup de confusion dans nos assemblées. Je prends le verset 19 de Romains, chapitre 12. Et
Que nous dit ce passage? Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais donnez lieu à la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi je rendrai dû le Seigneur. Maintenant le verset 20, si donc ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne soyez pas vaincus par le mal, mais vainqueurs du mal par le bien. Donc, on voit que l'enseignement de la nouvelle alliance s'oppose, n'est-ce pas, aux certains enseignements de l'Ancien Testament et aux certains psaumes de l'Ancien Testament. Donc, ceux qui vous disent que non, les psaumes sont des prières, oui, mais tous les psaumes ne sont pas des prières. Tous les psaumes ne sont pas d'actualité pour nous, l'Église. Je peux prendre beaucoup de versets, pas seulement les psaumes, même dans l'Ancien Testament. Exemple, il fallait tuer l'agneau. L'agneau devait être immolé pour que Israël sorte de l'Égypte. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons notre agneau qui a été immolé. C'est Yahushua Mashiach. On n'a pas besoin d'un animal qu'on doit exécuter pour que nous puissions délivrer de l'Égypte. Et nous, l'agneau véritable, 1 Corinthiens 5, 7 à 8, Christ, notre Pâque, a été immolé à la croix. Là, je vous amène, frères, à comprendre qu'il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, on ne fait pas de prière retour à l'expéditeur. Ça n'existe pas. On ne fait pas de prière de tuer les sorciers. On ne fait pas de prière d'envoyer le feu. On ne fait pas de prière, n'est-ce pas, de la vengeance. Nous faisons des prières pour chasser les démons. Là, c'est un acquis. Vous chasserez les démons. Quand l'ennemi m'attaque, j'ai le pouvoir de chasser les démons. Mais n'est pas, je dois utiliser le Tehillim, le psaume, pour frapper mes salendeles, frapper les démons. Est-ce que vous comprenez? Oh, David a dit, je frappe mes ennemis, avec mes ennemis. Dans la Nouvelle Alliance, je ne peux pas utiliser de tels psaumes. Là, je crois que le décor est déjà planté, mes chers frères et sœurs. Donc, d'où je suis en train de vous faire comprendre. Utiliser le psaume n'est pas un problème, n'est pas la cabale. Mais utiliser le psaume dans une heure précise, dans un mois précis, dans telle heure précise, on vous amène en réalité dans ce qu'on appelle l'astrologie et la numérologie. C'est l'avenir, on vous met en contact avec les démons qui opèrent. Voilà pourquoi je vais entrer directement sur les indices, pour que vous puissiez comprendre, frères et sœurs. Yo sambela na ba église, ya ba bima. L'église ya bima. C'est une église où on utilise le psaume. Église catholique également. L'église de réveil également. Vous voyez, il y a toujours ce système d'utilisation de psaume, mais c'est le journaliste. Maintenant, je voulais donner les indices. Les indices pour repérer les églises, le pasteur qui sont plongés dans ces pratiques de psaume. Je crois que M. Alain Delay, vous avez compris, quand même d'abord, dans mon introduction, c'est que j'ai dit, fais usage d'un psaume dans la prière ou d'un texte biblique dans l'Ancien Testament n'est pas un péché. Mais le problème, c'est au niveau des heures, des mois, des jours fixés, quand vous répétez ça, vous entrez dans ce qu'on appelle l'astrologie kabbalistique ou la numérologie. On vous dit, à l'un des pèses à date de naissance, il y a une pèses à date de naissance, il y a calculé, il y a bélier, il y a caractère, il y a capricorne. Exactement. Okay. Maintenant, on te dit, alors, répétez le psaume 20 fois, 15 fois. Quand tu répètes ça, vous activez les démons. Pourquoi? Je dis, dans la Kabbale, ils prennent maintenant les 72 génies-là, on les place dans les 150 psaumes de David. Mais ils vont se poser la question de savoir, oui, quand est-ce qu'ils peuvent utiliser les psaumes? Parce que quelqu'un te dira, peut-être dans le psaume, il va lire, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Par exemple, et il s'est dit pour lui, pendant une attaque, il peut quand même lire la Bible
tout en se réfugiant quand même sur un verset qui pourra aussi l'aider à intervenir ou à implorer la faveur de Dieu. Mais c'est ce que je viens de dire, mais c'est l'un des le pour être dans la direction d'ailleurs dans l'obiboué. Dans le combat spirituel, il y a trois choses que Yahweh nous a laissées. Il nous a laissé son nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérirez les malades. À mon nom, vous serez baptisés. À mon nom, vous serez rassemblés. Vous voyez? À mon nom, il y aura le pardon du péché. Il y a beaucoup de bénéfices qui sont liés au nom. Et en même temps, il nous a laissé la parole. Matthieu 4, le combat entre, ça dit la tentation entre Jésus et Satan. Le diable avait dit, il est écrit. Et Christ a dit aussi, il est aussi écrit. Donc, dans le combat spirituel, je peux utiliser quoi? La parole de Dieu. Mais il faudrait savoir, il y a d'autres textes qui ne sont pas d'actualité par rapport à notre alliance. Exemple, envoyer le feu dans notre alliance n'a pas d'actualité. Exemple, la prière de vengeance. Je frappe mes ennemis et mes ennemis soient aveuglés. Je les frappe. Et dans les textes que je viens de lire dans Romains, on nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Oui. Vous voyez, ces prières-là n'existent pas. Donc, d'où utiliser les psaumes. Oui, il y a certains psaumes qui sont d'actualité, mais il y a certains psaumes qui ne sont pas d'actualité par rapport à la nouvelle alliance. Exemple, David dit, frappe mes ennemis, frappe mes adversaires. Mais nous, dans notre doctrine, on nous interdit de frapper les adversaires, d'aveugler nos adversaires. Mais si ton adversaire a faim, donnez lui-même à manger. Mais ici, nous sommes en train de dire que l'utilisation des psaumes accompagnés, exemple de J, accompagnés d'encens, accompagnés, n'est-ce pas, de l'huile, accompagnés du sel, quand vous voyez ces éléments-là, et puis on vous dit, n'est-ce pas, dans 8h05, autant dans psaume 4, psaume 5, psaume 6, dans 8h15, autant dans psaume 4, pampan, pour la guérison, pour la libération en boca, pour la libération en famille, libération en bananayo. On va commencer à la numérologie. Celui qui vous donne de telles requêtes là, il sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'au moment où vous répétez ça 10 fois, 15 fois, vous entrez dans ce qu'on appelle numérologie kabbalistique. Mais ce n'est pas interdit quand je prie, je dis exemple, éternel est mon berger. Ça, c'est un élément dans le combat spirituel. Mais cela n'est pas dit à une heure fixe. Et puis quand la pratique devient continuel, à chaque fois, à minuit. Il y a un jour, ça 20 indices, mais c'est à l'indélé. Pour nous aider ma maman à Bissot, pour aider ma papa à Bissot, comprendre que la Kabbale n'est pas seulement au niveau des Talits. Donc, n'est 20 pas... indices que vous allez énumérer tout à l'heure. Exactement, là. Exactement. Okay. Exemple, lis deux fois tel psaume par jour. On dit que Ndele, comme on a député, parce que tu as dit qu'on a député dans la Bissot, maintenant, vous n'avez pas la vision qui est là. Mais tant par jour, psaume 15 ou 20, deux fois par jour, na tongo et puis na pokwa. Répétez yango. Papa l'endele. Si un homme de Dieu te donne ça, papa, quand ba dossier na yo bima kende. Donc quand vous répétez ça, quand vous êtes sous sa direction, il vous dit Zana Mai, Zana Mouchoir. Zana Mungwa. Et vous entrez dans on appelle ça les sacerdoces kabbalistiques. Donc, dans la notion de pratique des rituels. Parce que dans la notion de pratique des rituels et des nzambala. Donc, quand vous entendez déjà ça, comprenez que c'est une pratique numérologique. On appelle ça l'initiation progressive. Il y a une maman, prophète Morobo Tia Tia. Là, est-ce qu'on est avec beaucoup d'argent comme ça? Elle m'a appelé, papa, j'ai donné plus beaucoup d'argent. Mais vous s'aimez seulement auprès des faux. Parce que nous, depuis qu'on a commencé ici, personne ne m'a donné même un 10 euros. Mais on vient ici, on fait l'émission. Personne, même au frère Placide, même 5 euros, même 10 euros, personne. Mais un prophète, la Tia Tia, la maman a donné plus de 3000 et quelques euros. Sans compter des histoires qu'elle avait achetées. Des chaises roulantes et tout, et des semences. J'ai dit, hein? Donc vous donnez là, avec facilité comme ça. que le Seigneur suscite aussi les enfants qui puissent nous aider. Quand nous passons à l'émission, on essaie aussi d'encourager les journalistes, il y a les travailleurs. Mais tu peux aussi signer, non, mais c'est moi je t'appelle, je paye pour Frère Placide, même 2000 dollars pour qu'il passe à chaque fois faire les émissions. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? Mais vous donnez un prophète qui dit, au retour psaume 7 fois.
il y a aussi un autre prophète. Alors, tout que sur maman a toujours sur $500. Lui aussi, il témoigne. Hein? Les histoires, oh, Azagi Ndoki, Bonaboué. Et si maman a dit Nambongo, elle a son instrument, maman a dit Nimbongo, on a prié pour Nayo, à quoi comme yo, ange, j'active ange Gabriel, Nana Code. Mais nous, on prêche ici, on fait ici. Depuis que j'ai commencé ici, mes aînés, les personnes ne diront que moi, Placide, ici, il m'a envoyé $10 par rapport à ce travail. C'est faux. Mais je le fais, je viens. L'intérêt d'abord, ce n'est pas l'argent. Mais on voit d'abord les âmes. Combien de gens sont éclairés grâce à cette émission. Et moi, je dis merci au Seigneur parce que tu m'accordes l'opportunité. À des fois, je viens, je n'ai aussi rien. Tu m'acceptes pour faire passer les messages. Donc, c'est pour démontrer que même vous-même, vous êtes conscient que l'Église est infiltrée. Mais ça demande aussi l'aide de tous les enfants de Dieu d'appuyer. Moi, j'ai fait un appel. Si tu veux que je passe à chaque fois, appelez mes sendels. Payez. Je vais passer. Même plus de 1000 émissions dans vos salaires. Pendant qu'on aide à cette église. Donc, quand déjà on dit indice, oh, mes sendels, on vous dit répétez psaume. Nous, on a donné ça aux gens. Moi, j'avais l'un de mes enfants qui était artiste et chez Bill Clinton. On faisait des prières comme ça. Tu prends psaume, mais on matra aussi. Psaume, on tient la carte à huile. Mais c'est pas quoi là, il y a une protection. Mais, il y a un moment où tu n'as pas si mouton, il y a une carte à entité et tu as un moment. Il y a un moment où même pas de joueur. Au moment où même pas de prêtre. Pendant neuf ans, ils lisent le psaume. Alors, il y a un psaume, il y a un problème. Mais je dis des heures précises. On va pas sûr. Na ba jour pour na problème na yo ba adaptant avec tel psaume. Ah ndeko kima. Deuxième indice monsieur Alain Dele. Lis sept fois tel psaume avant de dormir. Si on vous dit lisez tel psaume exemple le psaume 4 5 6 sept fois. Pourquoi lui il joue seulement avant midi après midi? Mais la Bible nous dit prier sans cesse. Moi même je peux prier à la maison, je peux lire psaume. Alléluia Éternel. OK? Ce n'est pas une aberration. Mais pourquoi les prophètes apportent et vous disent c'est la recommandation? Non! Ils vous amènent dans les cultes des démons. La prière vient du mot hébreu pala, veut dire s'adresser à Dieu. Jésus-Christ a dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Tu n'as pas besoin d'une orientation quelconque. Nakoya, comment dans les sacerdoces kabbalistiques on falsifie même les messages de la croix. Le hôtel, malédiction et tout. Tu vois, tu comptes dans mes missions, tu expliques surtout la manipulation qui existe. Donc, quand on vous dit, lisez sept fois tel psaume avant de dormir, pour la mari de nuit, kima, pour la maladie, wane kima, maman, papa, prophète, tu as une kata communication, c'est un faux. Quand toi, tu lis ça sept fois, lui, il sait qu'il te met en relation avec telle entité pour opérer. Parce que pour nous, la guérison découle à la croix. Les miracles passent à la croix. La restauration passe à la croix. Il y a un seul nom qui nous a été donné dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce nom qu'il y a la guérison, les miracles et tout. Nous, quand on passe comme ça, il y a aussi des attaques qui arrivent. Mais on est protégé, n'est pas parce qu'on a lu tel psaume. Parce que l'esprit de celui qui a ramené Yahushua de les morts vit en moi. Donc, lorsqu'on vous dit répétez tel psaume à l'un d'elle comme on m'a député pour ne battre la yo contre Banini, que ça l'a emboté. C'est lui qui vous dit de le faire, il sait ce qu'il est en train de faire, le jeu qu'il joue. Mais il peut aussi utiliser le nom de Dieu, Yahweh, El Shaddai, et ceci. Oui, parce que la Kabbale est attachée à la Torah. On appelle ça Gematria. Donc, le mystère qui est lié aux chiffres et aux noms. Donc, quand vous observez là, donc vous entrez dans le calendrier linéaire des anges. Combien de mamans, de frères, se retrouvent dans la carte de prière au Yahweh? Psaume 15, psaume 7, dans l'herbe, oh Seigneur, on a répété. Donc, ça dit, on associe la guérison. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est Alain Dele. On associe la victoire au psaume. On associe la victoire. Non, nous, notre victoire découle à la croix, passe par lui. Même si je peux lire la parole, le diable aussi peut lire la parole. Mais quand on croit au Seigneur, c'est de là qu'il y a la victoire. Deuxième, troisième indice, lis 10 fois tel psaume à 12 heures avant de voyager. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais tu oublies que le diable pousse celui à dans les jardins. Il avait utilisé la parole. Les faux prophètes viendront en quoi? À son nom.
Mais derrière la parole qu'il prêche là, quel est l'esprit qui est là? L'esprit d'égarement. Est-ce que vous comprenez? Tous les gens qu'on a vus avec les talites là, est-ce qu'ils prêchent Satan? Soyez quand même sérieux, mais ça l'est d'eux. Dans les assemblées, ils prêchent Satan. Non. Jésus, Jésus, exode de ton nom, Habakkuk, il changera ta vie. Mais quel est l'esprit qui est derrière Habakkuk et de ton nom? Ce sont les entités. Donc, frère, c'est attention au prophète qui vous dit recommandation, Nzambalobi. Papa, Dieu a déjà parlé dans sa parole. Dans la parole, nous avons les atouts. Nous avons tout dans la parole. Donc, troisième indice, c'est l'un d'eux. Donc, lis 10 fois tel psaume à 12 heures pour la guérison, pour la protection, pour ta sécurité. Maman, si vous avez fait ça, vous êtes entré dans le culte des démons, dans le culte des anges. Il vous a amené dans le culte des démons. Si tu veux prier, parle à Yahushua, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous restaure. Parle le psaume. Je prends encore le quatrième indice. Lis 15 fois le psaume tel à 15 heures pour ton mariage. Il y aura les déblocages. Et tu verras un mari qui viendra te prendre quand tu vas lire ça 15 fois. Fais ça peut-être pendant 7 jours. À 15 heures, répète le psaume. Mais n'oubliez pas, il faut avoir les savons. Il faut avoir du sel. Tu vas mettre dans l'eau pour se laver avec. Il faut avoir l'huile appliquée. Tous ces éléments-là, c'est pour permettre aux démons. Parce que chaque ange dans la Kabbale, Azana bougie naïe, Azana savon naïe, Azana couleur naïe, Azana. Donc, Azana belemane, on sait qu'une église a bandé quoi bolingo. À l'entrée, on voit toutes ces choses-là. Au moins, on a la prière, au moins, on a la pentacle, au moins, on a la savon, tout va te garangoana. Donc, l'église des rêveurs aujourd'hui est infiltrée par le faux prophète docteur dans ce sens. Je ne sais pas si vous avez fait comprendre bien, très bien. Mais ça l'est d'elle. Je prends encore. Cinquième indice. Lisez 17 fois tel psaume à minuit. Et quand tu iras demain chercher le boulot, tu seras engagé. Donc, pour que tu sois embauché, on vous dit, il faudrait que vous preniez seulement à minuit de lire le psaume 17 fois. Donc, tous les nombres là est adapté aux démons. Si vous avez fait ça, repentez-vous. Pasteur, si c'était par ignorance du Seigneur, merci parce que tu m'as éclairé. Pourquoi seulement ta prière liée au psaume? Pose-nous la question. Pourquoi seulement le psaume? Oh, il y a déjà toute une église ici au Congo. La guérison passe par le psaume. Moi aussi, j'ai étudié dans la ligne de l'école église. Saint, Seigneur Dieu, c'est lui qui est écrit. Amen. Donc, on lit le psaume, vous répétez seulement Amen. Nous, on faisait ça. Donc, quand vous voyez les pasteurs, le prophète vous dit, oh, j'étais dans la prière, Dieu m'a révélé, oh, une orientation. Nous allons nous tous répéter, lire le psaume 15, 20 et 17 fois à minuit, n'ose même pas. C'est lui qui est en train de vous dire là, il vous amène à l'ésotérisme. Parce que l'astrologie, la numérologie marche avec l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est quoi, monsieur Ndele? C'est l'ensemble des doctrines ou des enseignements qui sont réservés aux initiés afin d'être éliminés. Donc, quand moi je dis à Nelly, lis ça 17 fois à 15 heures, je sais ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous répétez, parce que tu es sous l'ordre de qui? De moi. Et quand je dis ça, je sais que quand tu répètes 17 fois, c'est tel ange qui intervient. Voilà pourquoi tu verras, ah, quand j'ai répété ça, j'ai senti la force, c'est parti. C'est le travail que l'ennemi fait aujourd'hui dans nos assemblées. Vous voyez que la Kabbale n'est pas seulement les talites. La Kabbale n'est pas seulement les kippas. Et puis, je vais même y revenir sur la sortie hors du corps. Parce que nous, on sortait dans notre corps pour aller étudier dans le monde des anges. J'aurai le temps d'en parler ici. La pratique de sortie hors du corps. Vous voyez? Alors, je vais prendre maintenant le sixième indice. Même si on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer. Parce qu'à travers l'astrologie, la numérologie, il y a aussi, pas seulement des prières liées au psaume, mais des prières telles que, si au carrefour, possession de l'année, nouvelle ligne. Je vais venir ici, les prières astrologiques. L'obéla m'a belé. Yo, mon nom, l'église a dit.
Parle à la terre, parle à la terre, tu parles à la terre, parle à la terre, parle au vent, parle au vent. Je vais revenir ici, je vais expliquer pourquoi il faut parler au feu, parler à la terre, nouvelle ligne, au carrefour, toutes ces prières-là pour prendre possession. Pourquoi? Parce que, d'après les kabbalistes, il y a 72 anges de l'abîme qui constituent le gouvernement de Satan. Il faudrait que moi, je puisse parler. En parlant là, j'active les 72 anges saints afin d'agir. C'est ce que beaucoup ignorent aujourd'hui. Tellement l'Église n'est pas enseignée, nous sommes toujours à la recherche de la guérison, miracle et tout, et tout, et tout. 1 Corinthiens 15, 19 nous dit ceci. Si dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Philippiens 3, verset 17 à 18 nous dit. Ils ont pour Dieu leur ventre. Au lieu de fixer les yeux, Hébreux 12, 3, 4. Ayant les regards fixés sur Jésus, rejetons sur lui nos fardeaux, nos problèmes. Non. Toi, tu préfères ce qu'un pasteur te dit, recommandation. Parce que quelqu'un qui était ex-sataniste, ex-occultiste, il vous dit, je vis, et puis vous allez le faire. Exercez le discernement. 1 Jean 4, 1 à 2 nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Je vais donner encore le sixième indice. Lisez deux fois le psaume tel le matin. 4 fois le psaume tel le midi, 16 fois le psaume tel à 15h, 18 fois le psaume tel à 21h, 30 fois le psaume tel à minuit. Donc, c'est-à-dire, tu vois l'année. Regardez, M. Alain Delé. D'après les calendriers kabbalistiques, par an, il y a un ange qui opère. Il y a un ange qui apporte mon bagui, c'est l'année de l'archange Michael. Automatiquement, c'est vrai. Dans les calendriers linéaires kabbalistiques, c'est l'année de l'archange Michael. Maintenant, ces démons-là, ce n'est pas l'archange Michael, la Bible, c'est un démon. Maintenant, ces démons-là qui dirigent l'année, dans chaque mois aussi, il est secondé par d'autres anges qui sont au nombre de 12. Vous voyez un peu. Maintenant, dans chaque jour, c'est-à-dire par semaine, il y a aussi une entité qui contrôle la semaine. Et chaque jour, il y a aussi des démons. C'est ça qu'on appelle le gouvernement de Satan. C'est-à-dire tous ces esprits-là, leur but c'est quoi? C'est d'aider les gens qui sont dans le monde de trouver la solution. Voilà pourquoi tu ne peux pas prier comme tout le monde. Exemple, Seigneur, aide-moi par rapport à ces problèmes. Seigneur, je veux la guérison. Non, il faut associer ta prière à tel psaume, à telle heure, parce que les anges là opèrent pas par rotation. Donc, quand lui vous dit, dans 15 heures, lisez 20 fois. Dans 18 heures, 15 fois. Donc, il vous donne tout un jour, mais il répartit des heures. Les heures que le message répartit, c'est lié aux démons là, parce que l'esprit là qui opère. Ils seront disponibles. Disponibles à cette heure-là. Pourquoi il vous dit répéter 7 fois seulement à cette heure-là, 15 heures? 18 fois à 18 heures. 45 fois tel bruit. Pourquoi il sait que c'est tel ange qui opère? Il faudrait que vous puissiez répéter. La répétition-là, ça active maintenant ces démons-là d'opérer. Combien de prophètes qui vous appellent? Combien de pasteurs qui vous amènent dans ce système-là? On vous dit, oh, c'est la prière. Non, la prière, Hébreux 4, 13 à 16 nous dit... Le trône est ouvert. Approchez-vous au trône de la grâce. Approchez-vous au trône de la grâce. Je n'ai pas besoin de la puissance pour que Dieu m'exauce. Je n'ai pas besoin de l'exode. J'ai besoin de la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul. Il a dit, ta voix m'écoutera. C'est-à-dire, que ta volonté soit faite. Et dans Marc chapitre 11, le verset 24 à 25, il dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, en ce sens et en psaume, croyez-vous que vous l'avez reçu? Tout ce que vous demanderez en priant, en associant cela, psaume 7 fois, 15 fois, 30 fois, croyez-vous que vous l'avez réussi? Non. Jamais. Tout ce que vous demanderez en priant, à mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà réussi et vous le verrez s'accomplir. S'accomplir. Amen. Vous voyez? Donc, il ne nous demande pas d'associer 17 fois. Mais comment vous, le prophète, vous dit 17 fois pour la délivrance Christ, du Congo? Christ, qui amène les gens sur un chemin facile? Mais il détourne le chemin des gens. Je ne sais pas, il faut amener déjà lui qui parle une fois. Et il t'amène déjà 18 fois, 18 16 fois, tout rouleau, tout ça. C'est ce que les gens font dans les églises. Maman, psaume, enangouya, et bon, ma kambou. Oh, je ne veux pas trop être technicien,
pour démontrer peut-être que dans chaque psaume, dans la Kabbale, il y a l'alphabet hébraïque. Parce que l'alphabet hébraïque a un caractère aussi numérologique. Chaque, il y a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Aïn. C'est-à-dire chaque lettre là cache aussi les entités. Mais dans les 50 psaumes, on le place ça. Bon, voilà, peut-être ma conférence avec les pasteurs, on peut l'expliquer profondément. Mais ici, comme c'est l'auditoire, il y a les enfants, les papas, les pasteurs, on doit avoir un langage un peu clair pour vous aider. Donc lui, quand il vous dit, mais c'est dès les 17 fois à 8 heures, 15 fois à 15 heures, 15 fois, il vous met en relation avec ses démons. Si tu avais l'habitude de faire ça, j'ai bien dit, ce n'est pas mauvais, Ndele, je suis chez moi à la maison, je dis, je lis psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'homme. Et ça, ce n'est pas la Kabbale. Je peux lire aussi Exode, hein, vous garderez silence. Je peux lire aussi Habakkuk, je peux lire aussi Michée, je peux lire aussi Genèse. Yahweh le bénit, Seigneur, bénis-moi, ce n'est pas un problème. Mais qui t'a dit seulement 17 fois? Pourquoi 17 fois? Pourquoi pendant la journée, il vous met des psaumes? Il te dirait que c'est une recommandation qui vient de Dieu. Ah, donc Dieu s'est contredit à sa parole parce que toute la recommandation, regardez un peu, M. Ndele, merci vraiment, j'ai aimé cette partie. La femme de Pilate, à l'Ali, a eu songe. Elle dit, cet homme est innocent. Il dit à son mari, laissez cet homme, relâchez cet homme. Est-ce que les songes étaient faux ou vrais? C'était vrai. Yeshua était innocent. Mais c'est un songe, une recommandation qui vient de l'enfer, de Satan. Parce que selon les Écritures, ce qui est écrit, le Messie devait souffrir. Lui-même a dit, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits, de la même manière le Fils de l'homme, il fera ça à 3 jours et 3 nuits. Dans Marc chapitre 8, le verset 31-32, il dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des sacrificateurs. On prend Esaïe 53, on lui dit, par ses maîtrises, nous sommes sauvés. Il y a plusieurs passages. Mais un message qui s'avérait aussi véridique, mais qui contredit ce qui est écrit. Cela veut dire quoi dans les principes? Toute révélation doit avoir comme panel ce qui est écrit. La parole de Dieu. Si cela ne se conforme pas à ce qui est écrit, il faut rejeter ça. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Jean fut ravi en esprit au jour du Seigneur. On lui révèle le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, 1 à 3. On lui dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Mais qu'est-ce que Jean vit? Il a vu Deutéronome, il a vu Ézéchiel, il a vu... C'est-à-dire, Dieu l'a fait voir seulement les choses qui existaient. Vous voyez? Il lui a fait voir Armageddon, Reine Millennium, la récompense et tout. Mais toutes les visions, c'est qu'il n'a pas la parole. Comment on peut dire une recommandation qui contredit même ce que lui-même le Créateur a dit? Est-ce que le Créateur nous a dit, il nous a dit, priez sans cesse. Il nous a dit à chaque occasion favorable, les apôtres, priez. Mais aucun apôtre nous a dit répéter son 20 fois, 50 fois. Mais quelle est cette recommandation-là qui associe la guérison en répétition des psaumes? Pourquoi ne pas en répétition d'Exode? Seulement les psaumes, les psaumes, les psaumes. C'est ce qu'on appelle numérologie. C'est un enseignement qu'on le trouve. Moi, j'ai mes amis musulmans. Ils connaissent quand même, ils reconnaissent la force de cette partie-là de la Bible. Non, psaumes. Ça dit quoi? Les diables, pour tromper les gens, ils disent seulement la parole, non? C'est-à-dire, les rabbins juifs, ils ont pris le psaume, ils ont associé ça, c'est-à-dire, avec les entités. Je prends par exemple, ici, je dis, le faux pasteur qui porte les talits, ils utilisent la Bible, non? Même Bible, que ont la langue de la zone, oui. Mais tant qu'il y a une version dans la lobby, la gloire des anges sont ici. Ils lisent ce qui est écrit. Talits, chauffard. Maintenant, il y a des esprits qui accompagnent. C'est ce qu'on appelle l'ésotérisme. Donc, quand le pasteur vous dit, répétez ça à 15 heures, répétez ça à midi, répétez ça 17 fois, 20 fois, mais c'est à l'indélé, il vous amène dans le culte des démons. Et il y aura l'exaucement, il y aura aussi la réponse, mais qui exauce? Ce sont des prières éphémères. Il y a même un grand pasteur ici au Congo. Il avait dit un jour, on était en train d'écrire son livre, il a dit quoi? Qu'il a reçu le Saint-Esprit par la prière de Marie à Lusaka, et puis par le psaume. Moi, j'avais dit non, pour ne pas citer son nom. J'ai dit non, papa, voilà, on ne pas les Saint-Esprit en récitant les psaumes et Marie à Lusaka. Vous voyez, c'est-à-dire, l'origine de plusieurs pasteurs sont douteux, leur ministère. Et aujourd'hui, comme la Kabbale, cette pratique-ci, ce n'est pas seulement dans l'église catholique ou dans la Kabbale, même ceux qui pratiquent la religion islamique,
La sourate 4, le verset 163, nous dit, Allah dit dans le Coran, il a donné les zabours à David. Dans la région islamique aussi, il utilise les 150 psaumes de David. Et le pentacle de David. Et le paix de David, qu'on appelle Rukia. Là-bas aussi, on utilise aussi les psaumes pour délivrer les gens. Un musulman, les zabours. Donc, ce n'est pas le psaume de David ici. C'est-à-dire, il prend seulement la parole pour changer la parole, pour tromper les gens. En fait, c'est ça la risque de l'ennemi. Mais en réalité, le psaume n'a rien à voir avec la Kabbale. C'est David qui parlait, Asaph qui parlait, Moïse qui parle, et tout consort, et le psaume messianique dans ce sens-là. Donc ici, nous sommes en train de dire qu'au faire éveiller l'église dans Nzambe, si vous voyez seulement votre pasteur qu'il associe la guérison, le miracle, la protection au psaume, chasse-les bien, c'est un kabbaliste. Je ne sais pas si je peux ajouter un septième indice. Ok, d'accord. Voilà. Exemple, lis 26 fois tel psaume avec de l'eau bénie par le prophète ou l'apôtre. Il vous dit, prends l'eau. Rabayakababacha. Attention, parce que quelqu'un m'a dit, c'est comme si le prophète Placide, voilà, vous ne comprenez pas. J'ai dit, la Bible parle des dons de la diversité des langues. Mais le parler à langue, c'est une opération. C'est-à-dire, le lengue, c'est-à-dire, c'est une opération qui émane du don de la diversité des langues. Mais moi, je vous ai dit, Shindakala, Baba, Lala, c'est quoi? Expliquez-nous. C'est parler en langue ou prier en langue? Voyez, et puis la Bible nous dit, tous parlent-ils la langue? Mais vous, on vous dit, répétez, parler en langue, parler en langue, parler en langue. Pour commencer à chanter, tout ça, c'est quoi? Oh, c'est le Saint-Esprit qui nous a dit. Ça, c'est un démon qui peut inspirer ça. Parce que Dieu ne peut pas se contredire à sa parole. C'est lui qui n'est pas d'accord avec moi. Moi, je suis habitué aussi au débat. Qu'il vienne ici au plateau, qu'on ouvre la Bible ici. Tout en la Bible ensemble. Tout ce que je dis, c'est écrit dans la Bible. Il y a le don de la diversité des langues. Dans le don de la diversité des langues, il y a le parler en langue. Parler en langue, cela veut dire que je reçois des messages inspirés dans une langue inconnue pour Ndele. Il faut que l'interprète soit là pour que Ndele soit édifié. Mais c'est différent de parler en langue dans le sens où je prie en langue. Là, j'adresse à Dieu. Et puis Paul dit, je chanterai en esprit. Mais Kondo Kalababa, Shindaya Baba, Kababa, Kondo Shiba Baba. Nous, on faisait ça dans Mangyenge, le Zizi là. Indaraba, Raba, Shakababa. Blasphème contre le Saint-Esprit. C'est une bêtise. Dieu ne peut pas inspirer de telles choses-là. Alors, je reviens. Quand un prophète vous dit, lisez 26 fois tel psaume avec de l'eau bénie, il vous dit, mais c'est Ndele. Est-ce qu'il y a l'eau là-bas? Il y a l'eau chez toi là? Oui, prophète. Je suis nos mamans. Vous m'appelez toujours avec des doléances. Oh, mais est-ce qu'ok? On m'a fait ceci. Mais appelez-nous aussi pour nous bénir, non? Frère, on te bénit aussi. Ah! Donc, les machionistes, ils sont forts, hein? Ils manipulent les gens. Quand vous voyez M. Alain Ndele, quelqu'un vous appelle et vous dit, Ndele, est-ce que tu peux prendre l'eau à verre? Il pose Joango. Joango, on voit la carte. La Kalabashaba, il prie. Il vous dit, maman, répétez pour moi à 15h ou à minuit, mais la maille ou à Nourobika. Ndeko, ne fait pas ça. Il t'amène dans les cultes des anges de Chi. Parce que l'exaucement est lié aux heures, l'exaucement est lié aux chiffres. L'exaucement est lié au psaume. Donc le psaume qu'il utilise là, c'est juste pour te tromper. C'est juste pour t'égarer qu'il est dans la parole. Mais en réalité, tu es déjà sous contrôle de ces faux prophètes et évangélistes. Je pense que j'ai arrêté sur le sixième indice. Sixième indice. Donc, il y a au moins 20 indices où nous allons encore développer par rapport à ça. D'accord. Donc je crois qu'on va continuer avec ça demain. Comme ça... Sinon, quand même, mesdames et messieurs, comme je vous ai toujours dit, je voudrais quand même apporter une petite précision, parce que pour nous, nous allons comprendre. Ah, na mono ne bazo ba ki la toma banga, on dirait baza contre. En fait, ce n'est pas question d'être contre. C'est quelqu'un en train de dire, je pense qu'il éprouve avec les Écritures. Toko misara elo ko habitude te. Ne elo ko za l'habitude, toko misara ko habitude. C'est comme ça que mon bato, qui même au-delà même, il y a tout kwa nzambe. Elo ba na lingala. C'est-à-dire manquer même du respect par Nzambe. Pourquoi? Parce que tout le monde si on sera à théâtre, le balango papa mbosso. Nous sera théâtre, tout le monde même dans cette église, il y a bien sûr au théâtre. Quelqu'un qui va à l'église comme une place à répétition. Ah, là où ça n'anda vous êtes naqué dans l'église.
C'est-à-dire moi ça convaincu côté qui n'a qui colle que l'on est dans un mais le col en zalé le zaté on a qui dans l'église et le col les zaté mutazo et sabino soyo t'es en haut gêné aux autres gêné n'ingé ni fufu zaté quoi ngai zaté lipe zaté toi tu parles de gêne au t'es en haut dans gêne et prière pour nous abouer nos mais soit fufu zala qui a obéi tel solo l'anté mon col quand mon gars qui n'a pas collé les zako coso au t'es mon a profité encore bon la côte c'est encore gêne au côté gêne et prière t'es fufu mikolo ana zaté kende ko luka bima kende luka fufu kende ko sunga po parapé bazota mola tango ekotite okipe ko aider bango. Je crois que cette émission apporte la lumière. Exact. Ils allaient quoi apporter lumière jusque là motupe batangi komone kikingani kingani ah azana nanga mbé azati. Moi d'ailleurs j'ai même le courage de citer parce que je trouve que c'est une exploitation de l'homme par l'homme. Tous ces gens aux omonaka, c'est-à-dire ils ne tournent qu'autour des offrandes. Exactement. Abi kesi kaso na betio déjà babilo koyo ba psom oyo sala ngo toya na mona hotel donc bonganga na kati ya bonzambe a memia ngo simana ngo ote yo komu yo banga soko sali bongo te ozo banga ke eh ngai loko na sali psom 12 fois te c'est que ngana mona nanga miracle te donc ozo banga biloko ya bongo ya banganga biloko ba misil ma ba kit ba to ba banganga wana ba salaka c'est ce qu'ils amènent à l'église donc nous devons éviter ce genre de comportement. Cette émission vous éclaire, cette émission vous aide. Il y a besoin de participer et de vous aider. Il y a un prophète. On ne reçoit que des appels. Ah, papa, il y a 2000. Il y a 2000. Papa, il y a 10 à 8. Il y a 20 à 8. Il y a 20 à 8. Papa, il y a 20 à 8. Il y a 20 à 8. Papa, il y a 20 à 8. Papa, il y a 20 à 8. Il y a 100 ou 200 ou 200 ou 200 ou 200. Mais quand il faut faire des doléances, là, on vient chez Papa Alain. Papa Alain, il y a un escroquier. Comme ceux qui ont dans l'écriture, il y a un escroquier. Je crois que pour aujourd'hui, nous mettons un point final ici, parce que demain, on sera encore ensemble avec l'homme de Dieu. Alors, un tout dernier message, dans tout va dire occasion, il y a quoi là. Le message des Ali, que le travail que toujours ça, là, c'est juste pour restaurer la vérité. L'objectif, c'est de ramener les gens à la prédication de la croix. Et j'annonce aussi aux frères les 19 au 31 de ce mois d'août, je serai au Congo-Brazzaville pour une formation biblique. Tu as un frère, une sœur qui est au Congo-Brazzaville. Contactez-moi via mon numéro pour que tu sois invité à la conférence. La conférence, elle est gratuite, ce n'est pas payante. Donc, il y aura les syllabis, la formation pendant 2 semaines au Congo-Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, un grand merci à Gédéon, merci à Sarive, merci à Jonan Zouzi. On se retrouve très, très prochainement. Déjà, demain pour un nouveau numéro de cette émission qui vous aide. En tout cas, merci beaucoup. Vérité et réalité. Au revoir. Shalom, shalom à tous. Je voulais simplement partager un message avec vous ce soir. Je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage. Tu es là en train de chercher les enfants. Tu es là en train de chercher le voyage. Tu es là en train de chercher la guérison. Tu es là en train de chercher une stabilité, une maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Zambazana Wenze. Wenzanzambeza gratuit. Ezea Kofungama H24. Oh, Nyoso Lingi, dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va rentrer, va choisir. Parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis « Seigneur, moi je veux ça », le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de rois. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais en comprenant, il y a un secret dans la prière. Tu es un homme capable de façonner, de changer, de restaurer. Notre Dieu est trois fois saint, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché.
tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel. Tu vas trouver ta guérison. Kotana wenzanzam de guérison Zali. Kotana wenzanzam au romana libaya mobala malonga zapena makambu. Kotana wenzanzam, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kotana wenzanzam, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azapena makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba na bane. Bien-aimé, avec Dieu, il y a tout. Dieu, c'est la paix. Dieu, c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébricher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire, « Wane en Zambé, oui, Nzamba Zana Bana. » Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves. Mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 heures du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 heures, de 20 heures à 8 heures? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. T'es pas boutou, n'a pas la solution à ton bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur comme Mozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Sambana Bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Zamana Wenze. Et pas Nzambo Koleko côté paté papa. Oh mon nom, oh comment kisiki cité bon Zambé. Je m'adresse à une personne. La situation nayo. Pour ton problème, il y a une solution, c'est l'Éternel des armées. Il a payé un prix. Il a donné son sang pour toi. Il a tout donné à un marché. C'est le temps maintenant de prendre et de rentrer en profondeur. Dieu t'a tout donné. Dieu a dit, haha, tu as tout dans tes mains. C'est le temps de se lever. Ce n'est plus le temps de rester dans les distractions bêtes, dans les choses inutiles, les choses qui ne t'apportent rien. Tu zappes. Rentre en profondeur, regarde ton entourage, nettoie ton entourage. Alléluia. La profondeur attire la gloire de Dieu. Dieu a un marché et dans ce marché il y a tout. Tous les hommes que tu veux, toutes les femmes que tu veux. Tu veux l'argent, tu veux la voiture, tu veux la maison. Dieu a tout. Ah, bisous à vous chez vous là-bas. On reviendra au son de l'amour. Que Dieu vous bénisse.